Le président Édouard Fritsch est à Paris où il a rencontré Emmanuel Macron. Le président de la République a confirmé sa venue à Tahiti. Dans l'agenda, le déplacement est prévu pour avril prochain, après les élections municipales donc. Édouard Fritsch lui a demandé d'amener avec lui des investisseurs. Quant au président de la République, il souhaite qu'un sommet de tous les pays du Pacifique et avec tous les pays du Pacifique soit organisé durant son déplacement. Emmanuel Macron a également donné son avis sur le rejet par le Conseil constitutionnel de l'inscription du fait nucléaire dans la loi organique et souhaite que le texte soit revu. Explication d'Édouard Fritsch à sa sortie de l'Élysée au micro d'Henri Elie d'Outre-mer la Première. La majorité présidentielle était prête effectivement à soutenir ce qui a été proposé par la Polynésie, parce que je vous rappelle que dans ce toilettage statutaire, nous ne demandons pas de nouvelles compétences. Nous voulons simplement consolider ce qui est un acquis aujourd'hui de la Polynésie française. Et puis surtout, le deuxième volet qui est le plus intéressant, c'est la reconnaissance du fait nucléaire. Le gouvernement central était complètement d'accord avec le principe. Bon, maintenant, le Conseil constitutionnel est indépendant et a souhaité que cette partie-là soit revue. Parce que c'est ce qui va se passer. L'information, on continue sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.